C'est lui, je vous le dis. C'est lui. On savait qu'on pouvait faire une bonne opération ce soir. C'est chose faite, ça a été dur, c'était long, mais bon, c'est chose faite, on est content. Ils ont joué très très bas, et de lignes de 4, c'était compliqué pour nous. Fallait passer à chaque fois sur les côtés, centrer. Bon, vers la fin, ils ont un peu lâché, ils étaient fatigués physiquement, donc on a profité pour pousser. Ça nous a profité, on a marqué but de Lolo, donc c'est très bien, c'est très bien. Voilà, on est très content. Et avec la persévérance, on a réussi à marquer ce but. Parce que c'était compliqué de jouer contre eux, parce que de derrière, on avait l'impression qu'ils refusaient un peu de jouer. Ils jouaient la montre et tout, et c'est pas de la chance. Je pense qu'il a bien senti le coup, Lolo, et avec l'envie, la détermination, on a réussi à marquer ce but. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. On savait que ça allait passer par soit un coup de pied, soit une frappe de loin. Donc voilà, le lot nous a délivré, ça nous fait du bien à tout le monde. Gagner deux fois de suite à Picot aussi. Ouais, bien sûr, pour le public c'est important, surtout que le match prochain c'est le derby. On espère qu'on aura le stade plein pour nous pousser derrière nous. Sur les deux derniers matchs, on a pris 6 points, donc c'est bien, il fallait le faire. Maintenant voilà, on va essayer de prendre le maximum de points et pas se relâcher surtout, parce qu'il est là le piège. Il est vraiment là le piège, donc là on va jouer contre des équipes qui jouent les deux prochains matchs. On aime bien ça, d'un côté, donc on aime bien quand ça joue, donc on va essayer de jouer nous aussi. Et puis voilà, bon, très content, on va s'accrocher jusqu'à la fin et prendre le maximum de points. Si on montre le même état d'esprit, qu'on lâche pas, c'est même pas de la confiance, c'est juste qu'il faut montrer un visage de guerrier jusqu'à la fin de saison, qu'on veut se battre pour ce maintien et qu'on va le faire.